Vous avez décidé de faire un placement sur TD Shopping pour en avoir un retour sur investissement. Alors dans cette vidéo, il vous est présenté l'une des deux possibilités pour devenir investisseur sur TD Shopping. Mais quelles sont les deux possibilités? Soit vous pouvez être vendeur et devenir investisseur, ou soit vous pouvez juste avoir un compte client TD Shopping et devenir investisseur. Nous allons opter par la suite à la création d'un compte investisseur en étant déjà vendeur. Tout d'abord, rendez-vous sur le site en tapant www.tdshopping.com dans votre navigateur. Puis, rendez-vous sur le site. Il sera question de s'identifier par la suite en entrant tout d'abord votre adresse mail, puis votre mot de passe. Veuillez ne pas oublier de cocher que vous n'êtes pas un robot. Puis, cliquez sur connexion. Dans la barre de menu supérieure, choisissez investir. Il vous sera présenté par la suite des étapes de remplissage élémentaire, dont la première est celle de vos informations comme le nom, le prénom ou encore le sexe. Mais quand vous êtes déjà vendeur, vous vous passerez du remplissage et du coup, il vous suffira juste de cliquer sur suivant. L'étape suivante est celle où il faudra choisir un document d'identification. Mais comme précédemment, vous vous passerez du remplissage dû au fait que vous aviez déjà eu rempli ces informations en tant que vendeur. Il vous suffira juste de cliquer sur « Suivant ». La dernière étape est celle où les documents justificatifs sont demandés. Le scan de la CNI recto verso étant déjà inséré lors de la création du compte vendeur, il vous suffira juste d'insérer juste un selfie de vous avec votre CNI. Nous allons donc le faire tout de suite, mais vu que ceci est une démo de création d'un compte investisseur, du coup, pour les raisons de confidentialité, nous allons insérer un animé pris en selfie avec sa carte. Attention, très important, il vous sera dans l'obligation d'insérer un selfie réel de vous lors de la création de votre compte investisseur, sinon votre demande sera rejetée pour cause de fausses informations délivrées. Si cela est fait, vous pouvez donc cliquer sur « Terminer ». Un message automatique vous sera délivré à la suite de cette action vous mentionnant que votre demande a été bien envoyée. Dans le cas où votre demande à être investisseur est approuvée par l'entreprise, il vous sera délivré un mail de confirmation comme visible dans cette vidéo. Après ce mail reçu, vous vous rendez dans votre compte TD Shopping et actualisez votre compte, puis cliquez sur « Investir ». Vous aurez donc accès à votre compte investisseur dont il vous sera présenté dans votre dashboard les différents parcs d'investissement que propose TD Shopping. Il vous suffira juste de choisir le parc qui vous correspondra le mieux.